suis allé sur la tombe de Djedi, comme il me l'avait fait promettre avant de mourir dans mes bras en 1916. Arrivé sur sa tombe, je me suis penché au plus près de sa tête. J'ai ensuite mis mes mains en porte-voix devant ma bouche et je l'ai appelé à forte et distincte voix. Saad, fils de Telja, m'entends-tu ? J'ai attendu quelques secondes. Puis je lui ai annoncé : la France est partie. La France est partie. Il y eut à ce moment un sourd grondement venu du plus profond de la terre, suivi d'une forte secousse qui m'a fait perdre l'équilibre et je me suis retrouvé par terre. C'était Djedi qui me signifiait que le message lui était bien parvenu. J'avais tenu la promesse que je lui avais faite il y a près de 50 ans. جزائر عربية بياض وخضر معروف علامنا فيه نجمة وهلال مرورة رفدوه الشجعان تونس شقيقتنا أزهى ما يخطي بالنا خدمة الواجب شيعوه ناس البرلمان طرابلس وليبيا مصر الحجاز واليمن الحمد لله ما بقى استحمر في بلادنا كسرتي في الضم في الحروب هلكوه الشجعان صحت الرجال في الغياب صحرا وجبالنا يحيى الجزائر حرة ويحيى والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان J'étais la première fille de la région avec les maquisards. Et je suis restée la seule pendant une année. Nous avons eu des problèmes, beaucoup de problèmes.
Le principal était le refus de beaucoup de maquisards qui n'acceptaient pas notre présence. Il y en avait qui nous prenaient pour des filles venues pour se marier. Certains étaient méprisants. Ils essayaient de montrer leur supériorité, leur force vis-à-vis de nous. Ils ne comprenaient pas que nous aussi nous voulions militer. Ce n'est qu'à la longue qu'ils ont compris le sens de notre lutte. قالك تعشقيني وتجري من ورايا منين قالك تجرحيني يا الكبيدة منين قالك تجرحيني من غير تعرفي دوايا عشاقة حرقت لي قلبي عشاقة تسلب العقول شراقة حرقت لي قلبي عشاقة حرقت لي قلبي عشاقة تسلب العقول شراقة حرقت لي قلبي وعد على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهواري يا وعدي على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهواري عديت معاهم صغري قال لهم اكتمني طول عمري عديت معاهم صغري لهم اكتمني طول عمري Merci beaucoup.